I wanna love you till I die. Cause with you I find delight. You brought that joy into my life. That is why I can't control my spine. Yeah, I've got so many distractions. Now my friends are falling for you. She's a cook you will love. Even a fool can testify. I appreciate her kind of love. Myself, I will testify. Yeah, myself, I will testify. I will testify. When your child, I will testify. Need you by my side so that I can sleep well. I need you by my side so that I can sleep well. I need you by my side so that I can eat well. I need you by my side so my business can grow. Why do you have to go? Why do you have to leave? When am I see you again? Cause the can't be lost. Can't be lost. Can't be lost. When you're down. I need you by my side so that I can sleep well. I need you by my side so that I can sleep well. I need you by my side so that I can eat well. I need you by my side so my business can grow. Oh mon Dieu! Putain! Siri, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es triste? Parle-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? J'ai essayé. J'ai eu du travail! Oh mon Dieu! Félicitations, je le savais! Je suis tellement heureux, bébé. Oh, pourquoi faisais-tu cette tête? Tu m'as fait peur. Pourquoi? Je suis vraiment désolé, bébé. Je voulais t'annoncer la nouvelle de la plus belle des façons. Ne refais plus ça. Alors, cela dit, je veux que tu ailles te faire très belle, d'accord? Okay. Je t'emmène
dans un endroit magnifique pour qu'on puisse célébrer la deuxième belle chose qui me soit arrivée. Ok, ok, bien, je vais me préparer. Mais tu as parlé de la deuxième chose qui te soit arrivée. Alors dis-moi, quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée? Oh, ça, c'est bon. Quoi? C'est toi, mon amour. Tu es la première belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Oh, bébé. Trêve de bavardage, va te changer, d'accord? Nous allons sortir. D'accord, je vais aller me pomponner, je me D'accord, dépêche. Bébé. Oh. Je suis tellement heureuse pour toi. D'accord. Eh bien, ce jour... Ah. Bon appétit. Ça a l'air délicieux. Ça Bien sûr que ça a l'air délicieux. Oh. Ça a l'air bon. Mm-hmm. Tu aimes ça? C'est très délicieux. Mon amour, je voudrais te remercier pour... Pour tous les moments que nous avons partagés, c'était vraiment magique. Merci pour tous tes mots d'encouragement. Merci pour les appréciations. Et surtout, merci de m'avoir toujours souhaité bonne chance. Allez, bébé. Tu es tellement intelligent. Très malin. Tu es très travailleur. N'importe qui, n'importe quelle entreprise... voudrais de toi. Tu le mérites, ok? C'est compris. Tu sais que tu es vraiment très belle. Non, comment se passe aujourd'hui, je t'en prie? Bien, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu me le dis tous les jours. Mais parce que c'est la vérité. Merci. Tu sais que tu es aussi beau. Oh, ne me fais pas rougir. Allez, arrête. Qu'est-ce que tu regardes? Non, rien. Je veux juste voir s'il y a des gens qui nous regardent. C'est un restaurant, donc bien sûr que les gens vont nous regarder. Ok. Pourquoi est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu as sur la lèvre? Attends, peut-être je vais enlever que ça. C'est de la sauce. Viens là. Non, tu es trop drôle. Arrête, tu m'as eu cette fois, tu m'as vraiment eu. Tu sais que tu me rends toujours heureux, à chaque minute et à chaque seconde. Tu me rends heureuse aussi, bébé. Je veux vraiment passer le restant de mes jours avec toi. Ah, moi aussi. Merci pour tout. Mangeons vite avant que le repas ne se refroidisse. Oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Ce repas est vraiment délicieux. Bébé, Mon c'est bébé. Déjà prêt. Merci. C'est génial. Bébé, t'as pas mis pause? Pourquoi cette question? T'es dit de m'attendre. J'aime cette émission. Pourquoi n'as-tu pas mis pause? Mais bébé, ce n'est pas moi qui tourne cette émission. Oh, pardon, remets-moi ce verre. Mais allez, qu'est-ce ne que tu fais? N'essaie même pas. Attends, tu es Pourquoi tu, es tu es m'as sérieuse? Attendu? Pourquoi tu n'as pas attendu? Je t'ai dit Attends, que j'aimais cette émission. Bébé, arrête. Je ne veux pas jouer. J'ai entendu quelqu'un frapper. Attends, bébé. Je vais aller vérifier. Tu aurais dû m'attendre. Attends, je reviens. Oh, je vais tout te rendre. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Puis-je entrer? Oui, bien sûr. Viens t'asseoir. Ruth, je te présente Becky, l'amour de ma vie. Oh, attends. Si elle est l'amour de ta vie, alors qui suis-je pour toi? Becky, je te présente Ruth, la tête de mule qui me sert de sœur. Mais je ne suis plus têtue. De toute façon, enchantée. Salut, je m'appelle Becky. Ruth. Donc tu as une petite amie frérot et tu ne l'as dit ni à moi ni à maman. J'espère que tu connais ta punition pour avoir caché ce secret, n'est-ce pas? Bien,
Bébé, je vais vous laisser faire connaissance. Tu t'en vas? Bien sûr que je m'en vais. À plus. S'il te plaît, prends place. Merci. Je t'en prie. J'ai fait ce jus pour ton frère, mais tu peux le prendre. Merci. Alors tu es celle qui nous a arraché mon frère. Arraché? Il ne m'a jamais parlé de vous, alors... c'est délicieux. J'espère que vous appréciez. Bébé, t'as toujours été un bon cuisinier. S'il te plaît, pas trop de compliments. Voyons, c'est moi qui lui ai appris à cuisiner. J'en ai fait une affaire personnelle. Comment as-tu appris à cuisiner? Tu n'étais même pas encore née quand j'ai commencé à cuisiner. Waouh. Alors tu mens. Tu sais quoi? Je pense que je devrais dire à maman que tu as une copine. Oh. Tu ne feras rien de pareil. Sinon, écoute-moi bien. J'irai le dire à maman moi-même. Donc tu veux éviter ta punition, vraiment? Ok, un instant. Donc il y a une punition pour chaque petit secret? Bébé, il n'y a pas de punition pour ceux qui ont des secrets. Seulement pour celles qui enlèvent le sourire sur le visage des gens. D'accord. Maintenant, revenons à toi. Ne dis surtout pas à maman que j'ai une petite amie. J'irai le faire moi-même. Alors, tu es d'accord que je t'ai appris à cuisiner? Ok, tu as gagné. C'est toi qui m'as appris à cuisiner. Alors, est-ce que tu vas me laisser profiter de ce repas que j'ai cuisiné moi-même, s'il te plaît? D'ailleurs, il n'est pas si délicieux. Ah, vous êtes tellement amusant, vous, le fait que vous disputez. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. Bébé, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu Ruth pour la première fois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as cru qu'elle était ma petite amie, n'est-ce pas? T'es pas sérieux, n'est-ce pas? Bien sûr que je le suis. Tu as cru qu'elle était ma petite amie? Non, je n'ai jamais pensé à ça. Waouh! Ça veut dire que tu n'as pas peur de me laisser à une autre personne. Ce n'est pas ce que tu crois, bébé. En fait... Ok. On dit souvent que le passé de quelqu'un n'a rien à voir avec son avenir. Il suffit juste de profiter du présent. Écoute, tu as toujours eu à me dire de te faire confiance. Je sais que tu ne pourras jamais me tromper. Ok. Et si je le faisais? Toi, me tromper? Je ne pense pas que ça puisse arriver. Mais si jamais tu me trompes, cela veut dire que t'es envoûtée. Alors je devrais jeûner et prier pour que Dieu te délivre parce que ce n'est pas dans tes habitudes. Je suis sérieuse. Bébé, tu sais que je t'aime, pas vrai? Je n'aurais jamais cru qu'on aurait une si belle relation ensemble. Tout ceci est très beau à entendre. Et puis... Je voudrais que tu saches que je t'aimerai toujours et je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je continuerai à t'aimer même après la mort. Et je n'aimerai aussi personne d'autre que toi. Tu es mon monde. Je t'aime. Alors pouvons-nous dormir? D'accord, bien sûr, mon amour. Ok. Tu m'as laissé. Je n'ai même pas de mots pour exprimer ce que je ressens en ce moment. Tu m'as laissé tout seul dans ce monde. Que ferais-je? Mon cœur t'appartient totalement. Oh, tu m'as abandonné, je le saurais. Exprimer ce que je ressens. Tu es parti sans même regarder derrière toi. Et même ce que je ressens. Tu avais promis de m'aimer pour toujours. Pourquoi?
Non. Peux-tu revenir? Reviens, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. Tout ça, la mort l'a emporté. À vrai dire, Mac, je ne savais pas que tu étais en ville. Bien. Pour ma part, vous savez, j'étais très pris par le travail récemment. J'étais très, très occupé. Hey, mon j'étais Dieu. Occupé. Regarde qui parle. Quelqu'un qui était pris par sa petite amie. Mon gars. Je suis sérieux. Oui, je suis sérieux. C'est une blague. Eh oui, je suis vraiment sérieux. Mike est amoureux. Mike n'aime pas entendre parler des femmes. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est une blague. Bien qu'il ne me l'ait pas dit, mais... Un jour, je passais par là et j'ai vu deux personnes en train de jouer comme des tourtereaux. Hein? Et c'était lui. Sérieusement? Attends un peu. Donc, tu étais là. Ouais. Tu m'as vu. Et tu ne m'as pas appelé. Pourquoi devrais-je t'appeler? Pourtant, t'avais décidé de prendre tes distances. Les gars, c'est moi qui ai organisé cette réunion. C'est moi qui vous ai invité. Ceci, c'est grâce à moi. Très bien. Alors, pourquoi nous as-tu réunis? Bien. Tout d'abord, je voudrais vous dire que vous m'aviez beaucoup manqué. Hein? Vous savez, ça fait un bail. Hein? Et deuxièmement, je voudrais vous parler de ma petite amie. Les gars, cette fille m'a appris ce que c'est le véritable amour. Je n'aurais jamais cru que l'amour existait. Vous me connaissez, non, mais regarde-le. Mon pote. Vous savez que je ne crois pas en l'amour. Je ne savais pas que le véritable amour existait jusqu'à ce que je la rencontre. En fait, Elle a tout ce que je recherche chez une femme. Elle fait bien la cuisine. Elle fait le ménage. Elle travaille très dur. Elle me soutient. Elle m'aime sincèrement. Et elle ne m'a jamais trompé. Elle a tout ce que j'apprécie chez une femme. Je t'assure, mon frère. Elle me fait toucher le 7e ciel. Pour son côté, c'est une experte. Mike, ça suffit, je vous assure. Mec. Je vais bientôt l'épouser. Saisissez-le. Je vais épouser cette femme. Bonsoir, mon cœur. Je suis de retour. Mais tu es où? Elle a laissé son téléphone. Bébé, je suis de retour. Bébé! Bébé, t'es de retour. J'étais en train de réfléchir à ce que je pourrais faire pour le dîner de ce soir avec Marc. Qui est Jerry? Pardon? Qui est Jerry? Oh, Jerry est... Jerry, c'est qui? Oh, donc c'est pour cette raison que toi, tu passes ton temps à me cacher ton portable. De quoi est-ce que tu parles? Moi? T'as même pas lu les messages. Lire quel message? Oh, donc tu veux me briser le cœur, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de me dire la vérité maintenant. Non, tu devrais d'abord lire les messages, ok? Est-ce que tu me trompes? Pourquoi est-ce que je te tromperais, Marc? Alors, qui est Jerry? Dis-moi tout. Toi, j'ai vu tous les messages. Qu'est-ce qui ne va pas chez lis toi? Lis d'abord les messages. Quels messages, hein? Tu me trompais tout ce Mike, temps. Mike! Tu me trompais, arrête, c'est ça? Je ne pourrais jamais te tromper. Comment oses-tu me tromper, me mentir? Tranquille. Comment oses-tu me mentir? Mon Dieu. Bébé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est mon ex. Et je t'ai parlé de lui. Je l'ai fait. Je ne le savais pas. Je croyais que tu m'avais trompé. J'ai voulu tout expliquer, mais tu ne m'as pas laissé parler. Maintenant que je sais, je veux juste... Tu sais, comme d'habitude, mon passé prenait déjà le dessus sur moi. Comment as-tu pu imaginer cela?
Comment as-tu pu imaginer que je puisse te tromper? Comment? Je n'arrive pas à le croire. Pardonne-moi, s'il te plaît, arrête de pleurer. Pardon, ne me fais pas ça. Est-ce que tu sais que tu es tellement belle? Laisse-moi tranquille. Tu fais peur quand tu t'excuses. Allez, viens là. Non, allez, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je suis très fâchée contre toi, allez, alors laisse-moi tranquille. Allez, ne sois pas fâchée ainsi. Tu sais que je t'aime. Je ne veux pas. Pardon. Tu ne me fais pas confiance. Je crois en toi. Je ne veux pas. J'ai toujours cru en toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu es incroyable, ma fille. Tu l'es également, maman. Maman, elle est plus qu'incroyable. Depuis que je suis avec elle, elle ne m'apporte rien d'autre que la joie dans ma vie. Seigneur, quand? Ah, ah. Es-tu jalouse? Ah, maman, je ne suis pas jalouse. Et je peux le confirmer sous le repas. Maman, tu aimes le repas? Oui, c'est très bon. Oui, maman, c'est vraiment parfait. Je sais aussi très bien faire la cuisine. Bien sûr. Mais ces atouts de cuisine me font douter de moi. Oh, merci. C'est vraiment... Que veux-tu insinuer? Ah, tu veux dire que ta mère ne sait pas préparer? Maman, ce n'est pas ça. Mes frères ont dit quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est à toi de répondre. C'est vraiment drôle. Écoute, ma fille, Mike peut être têtu parfois, mais j'ai toujours sa chicotte. Mm-hmm. À chaque fois qu'il sera têtu, laisse-moi m'occuper de lui. Je viendrai l'officier, juste d'accord, pour toi. Maman. Maman, je suis déjà un grand garçon. Tu peux être un grand garçon, mais pas pour ta mère. J'espère pas que tu as entendu ce que maman. Mais non, tu vas me surveiller, et c'est ça. Et qui a demandé ton avis? Waouh, waouh. Tu devrais fermer ta bouche quand? Oh! Bonsoir, mon amour. Comment tu vas? Je vais bien. Comment était ta journée? Très bien. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi beaucoup manqué. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ok. Alors, dans ce sac, il y a tes vêtements. Mes habits? Oui. Waouh! Mais c'est très beau. J'ai déjà assez de vêtements. Pourquoi est-ce que tu m'en as encore acheté? Je sais, bébé. Mais il t'en fallait encore plus, ok? Tu m'as aidé et je voudrais que tu aies une bonne apparence au travail. Bébé, ça me fait vraiment plaisir, mais l'argent que je t'ai donné est pour que tu t'achètes des vêtements. C'est bon, je m'en achèterai plus tard, ok? Regarde-les, ils sont vraiment beaux, de belles couleurs. Tu vas les aimer, crois-moi. Merci beaucoup, mon amour. C'est vraiment gentil de ta part. Je t'en prie, bébé, maintenant, dis-moi, as-tu déjà mangé? Ah, pas encore. Et en plus de ça, j'attendais que tu rentres pour me faire tes plats délicieux. Vraiment? Ouais. Ok, très bien. Je vais aller déposer ceci dans la chambre et je file à la cuisine. Je ne peux plus c'est bon? Attendre. Je ne peux plus attendre, bébé. Dépêche-toi, j'ai très faim. J'arrive. J'attends ce repas, mon amour. Bébé, je peux tout t'expliquer. Écoute, ce n'est pas. Non. Je peux tout t'expliquer. Désolée, je peux tout t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses, s'il te plaît. Je t'en supplie. S'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée, bébé, s'il te plaît, dis quelque chose. Bébé, dis quelque chose, je t'en prie. Bébé,
Mais qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar? Allez, je suis désolée. Que s'est-il passé? Ça va. D'accord? Bébé, tu sais que je ne pourrais pas vivre sans toi, n'est-ce pas? Et je ne pourrais non plus vivre sans toi. Promets-moi que tu ne me briseras jamais le cœur. Je te promets que je ne te briserai jamais le cœur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça va. C'était juste un cauchemar. Désolée. Merci. On va se recoucher, d'accord? Une dure journée t'attend demain. D'accord. D'accord. Ça va aller. Maman, tu vas bien? Je vais très bien, mon fils. Bienvenue. Merci. Comment va ma chère Becky? Ta chère Becky? Oui. Oh, d'accord, elle va bien. Maman, j'ai une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. J'ai finalement décidé de faire de Becky ma femme. Ah, es-tu sérieux? Ah, oh, Duchéo! Maman, Duchéo! Oh, Duchéo! Baba Duchéo! Oh, oh, Baba Néo! Baba Duchéo! Mon fils! Oh, je savais très bien que tu pouvais le faire. Bien sûr, maman. Mais, mon fils... Une femme peut t'aimer de tout son cœur quand tu ne l'as pas encore épousée. Et si elle ne voit aucune raison d'être avec toi, elle s'en ira dès qu'il y aura un petit problème et elle t'abandonnera. Hey, que Dieu m'en préserve, maman. Non, pas ma Becky. Elle ne peut pas me faire ça. Écoute, mon fils, je ne voudrais pas que tu la perdes. Maman, je ne peux pas la perdre. C'est pour ça que j'ai pris la bonne décision. Mike, c'est mon fils. Merci, maman. Je t'aime beaucoup. Maman, je suis tellement heureuse. Maman, devine quoi, allez, devine quoi. Dombly t'a envoyé de l'argent. Dombly a fait quoi? Maman, cherche encore. Tu as reçu une lettre pour servir le pays. Eh bien, ça arrivera cette année, mais ce n'est pas pour le moment. Oh, maman, allez, devine. Dolly t'a demandé un mariage? Ah. Eh bien, la demande en mariage était juste. Mais tu as raté le nom. Ok, écoute. Je reviens juste de la maison de mon grand frère. Et devine quoi? Je suis fatiguée de deviner. Juste dis ce que tu as à dire. Maman, c'est seulement une devinette. Je ne vais rien deviner. Très bien, je vais te le dire. Vas-y, non? Mon grand frère a fait sa demande à Becky. Ah, je te le dis, maman. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Mon Seigneur Jésus a fait pour il moi. Il l'a fait pour moi. Mon Seigneur est vraiment merveilleux. Il l'a fait pour moi. Seigneur est vraiment merveilleux. Il l'a fait. Ah, maman, tu sais danser. Ruth. Maman. Appelle Rita. Appelle Bella. Demande à Rita à combien ils font ses robes de mariage. Ah, ah. Et demande à Bella combien il faudra pour la décoration du mariage de mon fils. Hey. Maman, tous ces préparatifs alors qu'ils n'ont pas encore fixé la date. Ah, ah. Je connais mon Mike, mais pas toi. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Oui, maman, je vais. Je vais. Appelle-les. Jésus est très bon pour moi. Stella. Le patron voudrait que vous signiez ces documents. Suis-je obligé de les signer maintenant? Je ne peux pas le faire à mon retour.
Vous sortez, monsieur? Oh, oui. Je suis en train de sortir. J'ai un rendez-vous avec la future femme de ma vie. Ça sera notre premier rencard depuis que je lui ai fait ma demande. Mais vous devez signer urgentement ces documents. Écoute, je peux les signer, oui, mais je n'ai pas le temps de les lire. Pourquoi ne dis-tu pas au patron que je suis allé déjeuner? Parce que je ne veux pas la faire attendre. Et les documents? Tu n'as qu'à les déposer ici. Quand je serai de retour, je vais les lire. Hmm? L'amour est bien grand. J'aurais souhaité rencontrer cette femme dont vous parlez tout le temps. Tu feras sa connaissance, Stella. D'accord, monsieur. D'accord, s'il te plaît. Je dois me dépêcher. Tu peux les déposer sur mon bureau. C'est toi. Frère, pas encore. Mais tu, arrête de t'infliger ceci. Frère, pourquoi est-ce que tu regardes encore sa photo? Elle est partie. C'est là, crois-moi. Je fais mon mieux. Frère. Elle était l'amour de ma vie. Avant qu'elle ne s'en aille, à quelques jours de notre mariage. Frère. Je suis désolée. As-tu oublié ce que la Bible dit? Nous faisons des projets, mais il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Tu dois aller de l'avant. Détends-toi. Et va de l'avant. Je sais. C'est trop pénible pour toi. S'il te plaît. Je fais de mon mieux, mais ça ne va pas du tout. Frère, je suis désolée. Je suis désolée. S'il te plaît, arrête de pleurer. Comment était ta journée de travail? Le boulot était bien. Devine quoi? Dis-moi, c'est quoi? Je n'arrive pas à réfléchir. Mon esprit est ailleurs. Ok, tu connais mon supérieur à mon bureau. Celui dont je t'avais parlé. Celui dont tu parles toujours? Oui. Il se mariera très bientôt. Et crois-moi, je sais que tu trouveras celle qui est faite pour toi. Ce moment arrivera, crois-moi. Tu penses que je pourrais? Bien sûr. Sois un homme et s'il te plaît, arrête de pleurer. Je serai fort. Michael, honnêtement, je suis heureux pour toi, mec. Très bientôt, tu seras un homme marié au lieu de rester un petit ami. Eh bien, les gars, je me suis simplement dit qu'il était temps. Vous savez, passer du temps et s'amuser ne rapporte rien. Si vous voyez ma fiancée, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Elle est très belle, c'est l'épouse parfaite. Alors, il est temps pour moi de faire les choses proprement, avant que je ne la perde. Je ne suis pas comme vous, les gars. C'est très bien, mec. C'est appréciable, mec. Très bien. Alors, quand allons-nous venir à la maison pour déjeuner? Tu sais très bien que, entre nous, c'est le rituel. Oui, notre rituel habituel. C'est exactement ce que je m'apprêtais à te demander. Alors, Mike. Oui. Quand as-tu prévu de nous inviter à la maison pour venir rencontrer notre splendide Becky? Car nous ne l'avons pas encore rencontrée. Docteur Tony, sois niqué. Hein? Regarde qui parle, toi qui es toujours occupé. S'il ne s'agit pas d'une opération, c'est une urgence. Ou alors c'est le travail. Tu n'as jamais du temps libre. Alors, depuis quand est-ce que c'est un crime d'être un docteur? Dans ton cas, c'est un crime, Docteur Tony. De toute façon, revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce que ça vous dirait d'avoir un déjeuner chez moi ce week-end? Ça marche. Bien sûr. Ça marche. Ça marche. Bien parlé, oui. Ouais, je te jure, frère. C'est super. Oui, voyons. Vous allez venir goûter à ces délicieux plats. C'est vraiment hâte. Je vous préviens, je risque de changer d'avis. Cela me rappelle un truc. Qu'en est-il de ta précieuse petite amie? Tu sais, celle qui avait le béguin pour toi. Ne commence pas, s'il te plaît. C'est de l'histoire ancienne.
Mais les gars, j'ai un problème. Oh, on t'écoute. Oh ouais. Vous savez comment je les aime. Mm-hmm. Je les aime bien rondes. Mais cette fois-ci, elle était plus énorme que je ne pensais. Mm-hmm. Et le jour du mariage alors, vous savez comment sont ces photographes, comment vais-je faire quand on me demandera de porter la main. Mon frère, va à la salle de gym. Hein? Va faire de la musculature. Oh, c'est ton excuse. Tu n'as pas d'excuse, mon frère. Reste assis-toi. Tu sais, ça ne posera pas de problème si vous vous retrouviez au sol, pendant que tu essaieras de la soulever, mec. Il a raison. Non, là, croyez-moi, je vais crever. Ça sera ma mort. Dépêche-toi de t'en trouver une autre, mec. Ouais, je t'assure. Mmh. Ça a l'air très délicieux. Merci. J'ai très hâte. J'espère que tu me fais confiance. C'est presque fait. J'ai presque fini de toute façon, hein. Je sais que tu y mettras encore plus du tien pour que ce soit délicieux. Parce que ces gars, oh mon Dieu, ils sont très intrigants. Et tu sais, ils racontent n'importe quoi. Fais-moi confiance, bébé, le repas sera très délicieux. Je te fais confiance. Je n'ai aucun doute. D'accord. Oh, ils sont sûrement arrivés. D'accord. Alors, tu vas aller les chercher pendant que D'accord. Moi, je fais la table. Je te fais confiance. Mmh. Oh, Mike! Où est Tony? Mais Tony devait arriver avec toi en même temps. Il a été bloqué à l'hôpital, il n'a pas pu se libérer. Encore une urgence, j'imagine. Mais comment tu vas? Où est-elle? Elle est à l'intérieur. Elle est là? Ok, je vais aller la voir. Mais attends. J'ai hâte de la voir. Tu la verras. Calme-toi. Oui, c'est elle. La voilà. Oh, mon Dieu. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Hans et j'ai entendu plein d'histoires sur toi. Oh, eh bien, j'espère que c'était de bonnes choses. Oh, bien sûr que t'as un super talent de cuisinière. On le sait tous. Vraiment, bébé? Celui-là. De toute façon, je m'appelle Becky et c'est un plaisir de faire ta connaissance. Le plaisir est le mien. Un bébé, oui, la deuxième personne. Ah, eh bien, celui-là. Ah. Il a eu une urgence. Oh, il ne sera pas là. Je comprends. C'est bon, c'est un plaisir de te recevoir. Moi aussi. Alors, vous allez confortablement vous asseoir pendant que je fais Pas de problème. Où est-ce que je m'assois? N'importe où, s'il te prends plaît. Ton temps, allez, prends ton temps. Mets-toi à l'aise. Mon pote. Oui, mon pote. Ah, oui, c'est une bombe. Allez bien, mec. To my life, that is why I can't control my smile. Yeah, I've got so many distractions. Now my friends are falling for you. She's a cuckoo cue we love. Even a fool can testify. I appreciate her kind of love. Me self, I will testify. Yeah, me self, I will testify. I will testify. When your child, I will testify. Hit you by my side so that I can sleep well. When your child, I need you by my side so that I can sleep well. When your child, I need you by my side so that I can eat well. When your child, I need you by my side so my business can grow. When your child. Ruto! Maman? Ruth! Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'en est-il des préparatifs du mariage? C'est pour ça que tu m'appelais depuis la cuisine. Maman, je t'ai dit plusieurs fois que tu te dérangeais pour un mariage dont la date n'a pas encore été fixée. Est-ce qu'on s'était dit? Je t'ai demandé de les contacter. Mais je les ai contactées, maman. Et elles ont dit la même chose. Quand la date sera fixée, on commencera les préparatifs. Je ne sais pas pourquoi tu es si pressée. Je ne sais même pas pourquoi ils se dérangent pour la date. Hein? Plutôt que de me dire combien coûte la robe de mariée et qu'elles me disent ce qu'il faut pour organiser un mariage. En quoi est-ce que ça les concerne? Oh Dieu! Tu aimes celle-ci?
Laquelle? Celle-ci. Celle-ci a une fente sur le côté. Ok, qu'en est-il de celle-ci? Elle est vraiment belle. Je préfère plutôt celle-ci. C'est la plus belle. Ok. Et celle-ci? J'aime celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très belle. Mais tu sais, je préfère celle-ci. Voilà. Je sais que tu préfères de loin celle-ci. Oh mon Dieu, celle-ci. Celle-ci est vraiment... Waouh, c'est ma préférée. Wow. Cela me rappelle. Quoi? Ton anniversaire approche et j'ai une spéciale surprise pour toi. Vraiment? Et qu'est-ce que c'est cette fois? Eh bien, je voudrais t'emmener sur l'une des plus belles plages qui existent. Une plage? Pourquoi une plage? Parce que c'est une journée spéciale et je voudrais que toi et moi, nous profitions pleinement de cette journée. On dirait que ça ne te plaît pas. Merci pour l'initiative, bébé, mais je n'aime pas aller à la plage. Mais pourquoi? Tu sais, c'est une longue histoire. Quand j'étais petite, je suis allée à la plage avec ma meilleure amie. Alors, cet après-midi-là, on était en train de jouer, tu sais, dans l'eau. Et Ozo s'est noyé. Oh. Et je n'ai pas pu la sauver. Elle est morte. Et depuis ce jour, je ne peux plus m'approcher de l'eau ou même nager plus jamais. Je suis désolé pour ça, bébé. Désolé de l'entendre. Mais je te promets que rien de mal ne t'arrivera. Je serai là pour te protéger. Je serai ton ange gardien. Je sais. Mais... Ok, je ne sais pas. Tu sais, j'aimerais vraiment surmonter cette phobie. Seigneur, ça fait un long moment que je ne suis pas vraiment allée m'amuser à la plage, ni même nager, tu le sais. Oui, je le sais. Je pense que ce serait une bonne idée. Bien sûr, ça l'est. On pourra s'amuser sur la plage. Oui, comme ça on pourra jouer avec l'eau tous les deux. Je sais. D'accord, on ira à la plage. Célébrons ça. Trinquons, bébé. Ok. Je t'assure que j'ai tellement hâte. Bébé, ouvre ta bouche. Hé, hey, frère. Bonjour, petite sœur. Salut. Tu es prête pour le travail? Je le suis. Waouh, magnifique. Merci. Waouh, super. Tu vas m'accompagner? M'accompagner jusqu'à ma voiture. Ensuite, je te déposerai au travail. Et là, je filerai chez Oncle Fidèle. Waouh, c'est super, okay, d'accord. Je vais m'avancer. Ok, d'accord. C'est super. Rejoins-moi. Frérot, t'es en pleine forme. Je viens de le remarquer. Vraiment, je suis heureuse que tu aies pu surmonter sa mort. Ça faisait longtemps. Sœurette. Oui. La vie continue. Je sais qu'elle sera heureuse depuis le paradis de me voir aller de l'avant. Oui, elle le sera. Alors, pouvons-nous avancer? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'on peut maintenant partir au risque bien d'être dit. En retard? D'accord. Allons-y. La petite princesse avance. Les dames d'abord. Even a fool can testify, I appreciate her kind of love, me self I will testify, yeah, me self I will testify, I will testify, when your child, I will testify. By my side so that I can sleep well. One more time. I need you by my side so that I can sleep well. One more time. I need you by my side so that I can eat well. One more time.
I need you by my side so my business can grow. What I know, I will testify. Need you by my side so that I can sleep well. À l'aide! Que quelqu'un m'aide! À l'aide! Que quelqu'un m'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Ma fiancée est dans l'eau! Mon amour! Lâchez-moi! Ma fiancée est dans l'eau! Monsieur, revenez! Revenez! Revenez par ici! Lâche-moi! Lâchez-moi! Revenez! Ma fiancée est dans l'eau! Arrête-le! Arrête-le, sinon il risque de se noyer! Sortez-le de l'eau! Non, monsieur! Non! Laissez-moi y retourner! Non, monsieur! Non! N'y allez pas! Allez. Sortez! Non, attendez! Elle est dans l'eau! Allons-la! Non, c'est dangereux! Non! N'y allez pas! Monsieur! Suivez-nous, monsieur! N'y allez pas! C'est dangereux! Non! Non. Elle est partie. Juste au moment où je m'apprêtais à lui faire ma demande avec cette bague. Calme-toi. Elle est partie. Frère, s'il te plaît, arrête de pleurer. Calme-toi, Mike. Elle pourrait être en vie. Exactement. Sur cette gigantesque eau. Maman, tu ne comprends rien. Je n'ai pas pu la sauver. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mon cher Mike, tu ne pourras pas nous avoir cette fois-ci, mec. T'essaies de nous faire marcher. Allez, va chercher le gâteau, mec. Ouais, ta petite amie, mec. Oh mon Dieu. J'ai très faim aujourd'hui. Pourquoi moi? Becky. Mais qu'est-ce qu'il y a, mec? Becky. Calme-toi, s'il te plaît. Michael, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Becky. Michael. Becky. Qu'est-ce qu'il arrive à Becky? Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allô? Écoute, Sarah, ce n'est pas le bon moment pour causer, d'accord? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu racontes? Y a-t-il pas d'autre docteur à l'hôpital? Bien sûr que je ne suis pas là! Becky. Merde. Écoute, tu sais quoi? Essaie de gérer la situation. Écoute, transfère le patient aux urgences. Je serai là d'un moment à l'autre, ok? Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Je serai là dans un moment. Les gars, en fait, il y a une urgence à l'hôpital. Grand frère, calme-toi. Je dois partir. Écoute, hein, fais en sorte qu'il n'y ait aucun autre drame ici. Je reviens tout de suite, ok? Essaie de le calmer. S'il te plaît, calme-toi et sois fort, ok? Il faut que je parte, ok?
Je ne comprends plus rien. Je ne sais même pas qui est mieux. Soit c'est le docteur qui a toujours des urgences, soit c'est celui-ci qui pleurniche comme une femme. J'aurais tout vu. Mec, arrête, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, parle-moi, mec. Tu ne fais que pleurer comme une femme. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Ok, très bien. Laisse-moi tout expliquer. Mec, il s'est noyé dans la mer. Qu'est-ce que t'as dit? Oui. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas si elle est en vie ou pas. Calme-toi, grand frère, calme-toi. Mais avez-vous contacté les gardes-côtes? Mais quelle est cette stupide question que tu poses? Nous avons tout fait. J'ai appelé encore et encore et encore jusqu'à présent. Et personne ne m'a encore répondu. Mec, mais t'as merdé, mec. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Tu sais que j'ai nagé, mec. Pour que tu viennes faire quoi? Même si on la retrouvait, maman, elle serait déjà morte. Non, ne dis pas ça. Nous devons tous être positifs. Nous devons penser positivement. Elle est déjà morte. Je suis venue célébrer ton anniversaire. Mais j'ai plutôt appris cette mauvaise nouvelle. Hein? Je suis tellement dépassée que je n'arrive pas. Maman, ne vous en faites pas. Mon Dieu. Nous allons la retrouver, maman. D'accord? Calme-toi. Nous allons la retrouver. Oh. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Y a-t-il des nouvelles? Non, monsieur, mais il y a toujours espoir. À l'instant où je vous parle, notre équipe est en train de fouiller la plage de fond en comble pour essayer de la retrouver, monsieur. Ne vous en faites pas, nous allons la retrouver. J'ai aussi appelé le chef des gardes-côtes. Il est en train de faire des recherches. Ne vous en faites pas, monsieur, nous allons la retrouver. D'accord. Écoutez, ne vous en faites pas, d'accord? Nous faisons ce travail depuis des années. Ne vous en faites pas. Nous allons retrouver son cadavre pas plus tard que... Ok, son cadavre sera... Qu'est-ce que vous venez de dire? Je sais comment la retrouver, mais retrouver son corps. Il affirme. Allez-vous-en. Désolé, monsieur. Vous savez quoi? Vous devez partir maintenant. Désolé, monsieur. C'est bon, partez. Qu'on parte? Allez-vous-en. Ok, d'accord, monsieur. C'est incroyable. Écoute, frérot. Grand frère. N'écoute pas ce qu'ils ont dit, ok? Nous allons la retrouver. N'écoute pas ce qu'ils disent. Alors mange ta nourriture. Mais comment peux-tu parler de nourriture quand rien ne va actuellement dans ma vie? Becky est introuvable. Et même son corps est introuvable. Frérot, elle a disparu. Mais nous allons la retrouver. Allez, tu sais qu'elle ne voudrait pas te voir ainsi. Elle ne voudrait pas te voir ainsi. La nourriture est la dernière chose actuellement dans ma tête. La seule chose que je veux actuellement, c'est retrouver mon bébé. Elle est tout ce que j'ai. Bien. Ma vie n'a pas de sens sans elle. Ça va, allez, essaye de manger, ok? Mon bébé, tu es rentré. Mon amour, quand es-tu revenu? Viens là. Mon amour, où es-tu passé? Becky, où es-tu passé? Pourquoi me laisses-tu seul? Pourquoi m'as-tu abandonné? Bébé, je t'en supplie, reviens-moi.
Ruth, tu m'as appelé. Quoi? Hmm? Grand frère a perdu la tête. Il n'est plus du tout lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire, Ruth? Maman, grand frère a des hallucinations de béquilles dans la maison. Maman, il crie souvent son nom dans son sommeil. Comment appelle-t-on ce char d'amour? Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas quoi faire, maman. Il n'est pas lui-même ces derniers temps. Maman, j'aimerais tellement que grand frère redevienne comme avant. Que signifie tout ceci? Je voudrais qu'il redevienne lui-même, exactement comme quand Becky était là. Ne baisse pas les bras, Ruth. Si tu meurs maintenant, qu'est-ce que ton frère et moi deviendrons? S'il te plaît, ne baisse pas les bras. Ça va aller. Est-ce que c'est elle? Non, 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 ça peut pas être elle, ça peut pas être elle, non, du tout, non. Mais il avait dit que c'était sa femme. Et que pendant qu'elle se douchait, elle a eu... Enfin, elle s'est évanouie. Il doit y avoir une confusion quelque part. Je ne pense pas qu'il ait fait lui-même. Allez, allez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ma tête? Ce n'est pas celle que je pense, c'est tout. Ça ne peut pas être elle. Ça ne peut pas être la béquille de mon ami, non. Frérot, tu es en train de grelotter. J'espère que tout va bien. Frérot? Frérot? Frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Ça devient insupportable. Je ne peux même plus supporter ça. Hein? Comment vais-je appeler ce genre d'amour? Hey, ce garçon, il va me tuer. Maman. Hey. Ça va aller, ok? Tu dis ça que va tu iras bien, mais lui, il est couché là-bas à l'intérieur. Hein? Maman, mais écoute, tu devrais te calmer. D'accord. Ah, ok. Écoutez, maman, tout ira bien. Tout ira bien, d'ici peu. D'accord. Hey, comment il va? S'il te plaît, comment se porte-t-il? Comment il va? Hein? Maman, allez, calme-toi. Mike, il va bien. Il a juste un peu de fièvre. Et je suis sûr que d'ici demain, il ira bien. Hey, merci, Seigneur. Es-tu sûr qu'il va vraiment bien? Oui, bien sûr. Maman. N'est-il pas en train de devenir fou? Maman, comment peux-tu parler de folie? Pardon, mon grand frère va bien. Il va bien. De toute façon, vu que tu dis l'avoir consulté. Maman, il va bien. Écoutez, docteur Tony, est un bon médecin, maman. Okay. Il va bien, n'est-ce pas? Écoutez, vous devez vous calmer. Okay. Je sais que Mike subit un traumatisme psychologique en ce moment. Mais cela n'a absolument rien à voir avec sa fièvre. Allez, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Et avec le temps, vous savez, son état de santé va s'améliorer. Okay. Merci beaucoup. Nous apprécions vraiment. Merci beaucoup. Bien. Veuillez m'excuser, je dois retourner à l'hôpital maintenant. D'accord. Voilà, donc rassurez-vous simplement qu'il soit calme et détendu. Calme. Ok. Je vais sûrement repasser plus tard pour le voir. Merci beaucoup. Pouvons-nous aller le regarder? Non, il faut juste qu'il se repose pour un moment. Et après 30 minutes, vous pourriez aller le regarder. Merci beaucoup. Et je vous promets, maman, qu'il ira bien. Thank you.
Mike, quoi de neuf y a-t-il espoir? Il n'y a plus aucun espoir. Je suis resté en contact avec les gardes-côtes, mais ils me disent toujours la même chose. Cette situation est semblable à celle de cette femme à l'hôpital. Dois-je en parler à Mike? Non, ce n'est pas une bonne idée. Ça pourrait créer des problèmes. Non, je ne le ferai pas. Tony, est-ce que tout va bien? Oh, oui, oui. T'en fais pas, tout va bien. Tout va bien. Je pense que nous devons simplement croiser les doigts, car tu sais, on ne sait jamais, un miracle pourrait se produire. Je vais continuer de croiser les doigts. Et ils resteront croisés jusqu'à ce que je meure. Oui, absolument. Mais tu sais, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu restes comme ça longtemps. As-tu mangé quelque chose? Je n'ai pas faim. Mais non, mec, tu devrais au moins manger quelque chose, mec. Je vous dis que je n'ai pas faim. Comment pourrais-je avoir l'appétit? Mike, tu vas retrouver l'appétit. Il faut que tu manges, d'accord? Tu dois vivre. Tu dois te nourrir, ok? Ou bien tu veux te tuer? C'est bon, c'est bon. Docteur, je pense qu'il devrait sortir pour changer. Tiens. Non, 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 il doit d'abord manger. En fait, c'est ça, mec. Mais, mec, dis, tu penses qu'il y a un espoir de retrouver la petite amie de Mike? Écoute, nous devons arrêter de nous faire des illusions. En parlant de ça, tu sais, je pense qu'il est grand temps de dire à Mike d'arrêter toutes ses recherches pour retrouver Becky. Parce que ça fait déjà un mois. Et elle est toujours introuvable. Je pense que nous devons arrêter d'y penser. Tu parles comme si tu ne savais pas qui était Mike. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il avait même prévu de faire sa vie avec elle avant que tout ceci n'arrive. Cruel, trop cruel. Mais je doute qu'elle soit encore en vie. Tu sais, personne ne pourrait tenir aussi longtemps sous l'eau et être toujours en vie. À moins qu'elle soit une sirène. Elle est morte. Cette fille est morte. Elle n'est plus. Je vous écoute. Monsieur Mike, nous sommes fatigués de chercher. Nous avons cherché sous l'eau, mais elle est introuvable. Hein? Nous avons appelé les pêcheurs pour qu'ils aident aussi à chercher, mais eux aussi, hein, ils n'ont rien vu. Dans ce cas, arrêtez les recherches. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Ça fait déjà plus d'un mois que j'ai perdu ma fiancée sur cette maudite plage. Et alors? Même son corps est introuvable. Je pense que tu devrais... Je pense que les passants l'ont avalé. Aïe! Pourquoi est-ce que tu me pinces? Les passants l'ont déjà avalé, mon cher. Nous avons cherché cette fille, mais elle était introuvable. Je t'ai dit de la fermer, laisse-moi lui parler, mec. Tu ne fais que raconter des salades, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu racontes n'importe quoi. Désolé, monsieur. Désolé pour mon ami. Désolé pour mon ami. Donc, devons-nous arrêter les recherches? Comme je l'ai dit, arrêtez les recherches, ok? Je pense qu'il ne faut okay, surtout monsieur. Pas arrêter les recherches. Beaucoup, monsieur. Oui, monsieur. Mec, allons-y. Monsieur. Vous n'avez rien pour nous? Le numéro de votre compte. 604-66-9-4. Oui, c'est ça. C'est ça. Je viens de vous faire un transfert. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Et allons-y. Merci, monsieur. C'est bon, allons-y. Allons-y, c'est bon. Alors, vu ta visite à l'hôpital, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Tout va bien. Réjouis-toi de me voir, mec. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce qu'il y a de bon ce matin? Quelle heure est-il sur votre montre? 9h30, monsieur. 9h30. Et à quelle heure tu es censé prendre ces bus? Monsieur, je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute. C'était les embouteillages. Encore les embouteillages? Aujourd'hui, il y avait plus d'embouteillages. Madame, vas-tu la fermer? Désolée, monsieur. Tous les jours, tu arrives en retard et tu prends toujours les mêmes excuses. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Monsieur, je suis désolée. Ma chère, ferme-la et sors de mon bureau. Cela n'arrivera plus, je vous le promets. Allez, dégage ici.
Tu as vu ça? Ah, c'est bon, ça va. Alors... Vraiment désolé pour ça. Oui, As-tu parlé à Mike? Ah, non, j'ai pas... Ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec lui. C'est vraiment incroyable que Mike fasse toujours le deuil de Becky jusqu'à présent. Mec, c'est le vrai amour. C'est le vrai amour. C'est ce que j'appelle le grand amour, mec. Mon cher, c'est quoi ce genre d'amour? Écoute, mec, elle lui manque jusqu'à présent. Mon pote, je ne pense pas que ce soit de l'amour. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça, c'est le vrai amour. Ce n'est pas comme ce qui se passe entre toi et ta petite amie, mec. Mon cher, n'en parle pas. Rends-toi compte qu'elle s'est mise en relation avec un docteur plus jeune parce que je suis allé en congé. Ah. Cette nouvelle génération. De toutes les façons, ça n'a pas d'importance. Je ne veux même pas en parler. Parlons plutôt de Mike. Oui, c'est vrai. Et en passant, je me demandais comment nous allons faire pour qu'il puisse traverser ce traumatisme. Je pense que la meilleure chose que Mike puisse faire maintenant est de supprimer totalement cette fille de sa mémoire. Parce qu'il ne peut pas continuer à vivre avec cet espoir. Cet espoir qu'elle reviendra un jour. Elle est morte, je te l'ai dit. Elle est morte, pour de bon. Tu sais, la décision lui revient, mec. Il doit essayer. Je m'inquiète vraiment pour lui, mec. Alors, comment est-ce que tu vas? Comment va ta famille? Quand vas-tu me revenir? Quand? Tu m'avais promis de ne jamais me laisser seul. Mais tu n'es pas là pour m'expliquer pourquoi tu m'as laissé tout seul dans ce monde méchant et froid. Tout seul. Tu sais que je t'aime toujours, n'est-ce pas? Je ne vais jamais donner cet amour à une autre femme que toi. Je suis heureux que tu saches que je ne le ferai jamais. Je t'aime tellement. Je t'aime maintenant. Et je t'aimerai pour toujours. Je te promets qu'on se reverra, même après ma mort, dans l'au-delà. Ça va aller. Ok. Maman, Vivre avec mon grand frère n'aide absolument en rien. Je le savais. Il ne veut rien avoir avec la vie sociale, les amusements, même les fêtes, maman, les fêtes. Mike ne peut plus continuer comme ça. Je veux dire, nous comprenons ce qu'il ressent, mais sa façon de gérer cette histoire va de mal en pire. Maman, tu as dit de mal en pire. Maman, chaque matin, avant que frère n'aille au travail, il fixe du regard la photo de Becky pendant 30 minutes ou peut-être plus. Maman, et en soirée, lorsqu'il rentre à la maison, il se noie dans de l'alcool tout en regardant sa photo. Maman, ça m'inquiète vraiment et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, je t'assure. Je ne sais vraiment plus quoi faire de ça. Il n'y a que Dieu qui puisse nous venir en aide. Mon Dieu, viens-nous en aide. Je ferai quoi faire. Pourquoi est-ce que tu me regardes? C'est juste que vous avez trop travaillé ces derniers temps.
Ne pensez-vous pas que vous devez y modérer? Et qu'est-ce que tu veux? Monsieur, c'est juste que vous venez au travail et vous ne rentrez qu'après l'heure de la fermeture. Vous ne partez pas en pause. Et la plupart du temps, quand je viens au bureau, c'est soit vous êtes occupé, ou alors vous êtes sur votre ordinateur, ou alors vous êtes en train de préparer des documents. N'est-ce pas pour cela que j'étais embauché? Je sais, monsieur. Et je sais ce que vous essayez de faire, mais ce que vous essayez de faire ne vous aidera pas. Comment sais-tu ce que j'essaye de faire? Monsieur, vous essayez d'occuper votre esprit, votre cœur et même vos sentiments. Juste pour arrêter de penser à elle. Qu'est-ce qui t'a emmené ici? D'accord, je suis venue pour savoir si vous étiez libre pour prendre notre pause. Merci, mais ça ne m'intéresse pas. Alors? Si ça ne te dérange pas, j'aimerais me concentrer sur mon travail. Ok, monsieur. Passez une bonne journée. Allez, c'est amusant, tu sais. Non, t'es sérieuse? Écoute, tu ne devrais pas te sentir mal parce qu'il a décidé de se tuer pour son boulot. Non, vraiment, quand même. Vraiment, frérot, je ne devrais pas me faire du souci. Je ne devrais pas me faire du souci. Ouais. Peux-tu imaginer? Mon seul ami, mon Dieu, mon ami est en train de se tuer à cause du travail. Et juste pourquoi? À cause de quoi? Oh, voyons, c'est ce qui s'est passé. Non. T'inquiète pas, tout ira bien. Tu ne comprends pas. Écoute, laisse-moi te dire la vérité. Tu ne peux pas ressentir ce qu'il ressent, ni même savoir comment, parce que tu ne seras jamais lui. Il n'y a que lui qui sache ce qu'il endure présentement. Mm-hmm. Et personne ne peut l'aider, en dehors de lui-même. Je vais l'aider, et tu verras de tes propres yeux. Tu vas l'aider? Oui. C'est vraiment drôle, tu vas l'aider? Oui, je le ferai. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je reconnais cette voix. Quelle voix? Cette voix, c'est la voix d'une personne amoureuse. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Qui t'a parlé d'amour? Je te connais très bien. Je reconnais cette voix, cette manière de parler, je la connais. Je ne suis pas amoureuse de lui. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je te dis ça? Et pourtant, j'ai quelqu'un qui m'attend. Alors maintenant, comme ça, tu t'en vas? Allez, viens. Quelqu'un est amoureuse. Allez, quand vas-tu le ramener à la maison? Je veux le voir. Quoi? Frérot, tu as oublié quel jour on était? Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? TJIF. Et alors? Et alors? Tu comptes sortir? Oui. Et tu viens avec moi? Non, je n'irai nulle part. Bien sûr que tu viens. Je n'irai nulle part. Lis sur mes lèvres, je n'irai nulle part. Lis sur mes lèvres, tu viens avec moi. Mais vas-tu arrêter? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non. Remets-moi ça. Non. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Je t'ai dit que je ne voulais pas sortir. J'ai du travail. Travailler sans jouer, c'est déjà un mauvais garçon. Alors qu'il en soit ainsi. Je ne veux pas que tu sois un mauvais garçon. S'il te plaît, arrête ça. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Remets-moi ça, je ne veux pas sortir. Non, grand frère. Grand frère, attends. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Accompagne-moi, s'il te plaît. Ok, écoute, c'est moi qui invite. Je prendrai soin de toi. Il ne s'agit pas de ça. Je ne veux pas sortir. S'il te plaît. C'était vraiment un comportement génial. Je ne sais pas de quoi tu parles. Comment peux-tu le savoir? Tu ne sais pas de quoi est-ce que je parle. Tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui as comploté ce plan? Donc tu le savais? Bien sûr que je vous ai vu discuter.
Maintenant, je comprends pourquoi mon plan n'a pas fonctionné. Écoute, Ruth, je t'ai dit à toi et à maman de rester en dehors de ma vie sentimentale. Je ne veux pas d'une autre femme dans ma vie. Es-tu sérieux, là? Frérot, j'essaie juste de t'aider. Mais là, tu en fais tout un plat, tu... Ok, à plus. J'essaie de... Vous voyez? Regardez celui que j'essaie d'aider. Frérot! Frérot! Bonsoir, maman. Bonsoir. Bienvenue. Comment ça s'est passé? De quoi est-ce que tu parles? Maman, laisse-moi. Ton fils m'a clairement dit qu'il n'a pas besoin d'aide. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu me racontes? Maman, écoute, peut-être que tu ne comprends pas. Laisse-moi te donner quelques exemples. Maman, peux-tu imaginer que la semaine dernière, mon grand frère a failli gifler une fille dans notre propriété? Seulement parce qu'elle a appelé mon amour. Maman, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, dis-moi? Ce qui m'a le plus fait mal, maman, c'est ce qui s'est passé hier. Maman, après avoir pomponné cette jolie fille, maman, tu aurais dû voir cette fille. Tu me connais. J'ai pomponné cette jolie fille pour frérot. Juste pour qu'il vienne la repousser. Maman, ça m'a fait mal. Tu aurais dû voir comment mon grand frère l'a repoussé avec mépris. Peut-être que c'est de la folie. Ce n'est rien d'autre que la folie. Maman, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la folie. Peut-être que le problème, c'est moi, tu vois. Je ne sais pas comment m'y prendre en amour. Peut-être que c'est pour ça que je suis célibataire. Ruth, qu'es-tu en train de dire? Ne parle pas ainsi, hein? Ne parle pas comme ça, non? D'oublier tous ces hommes qui t'ont quitté ne te méritent pas. Tu auras mieux. Laisse tomber, ma fille. Merci, maman. Mais de toute façon, ok, très bien. Arrêtons de parler de moi et concentrons-nous sur mon frère Mike. Maman, nous devons à tout prix aider Mike, sinon il deviendra un religieux. Je rejette ça. Sauf si tu n'es pas prête à avoir de petits-enfants. Non, j'aurai mes petits-fils. J'ai foi au Dieu que je sers. Il le fera pour moi. Amen, oh, amen. Maman, j'ai vraiment très faim. Est-ce qu'il y a à manger? Non, il n'y en avait pas où tu étais. Je suis venue manger la nourriture de ma mère. Y a-t-il un problème à cela? Je suis venue manger, oh. Pardon, je vais à la cuisine. Va à la cuisine te servir. Mon Dieu, aie pitié, oh. Je ne comprends pas. Mon fils Mike, tellement il est têtu, je ne comprends rien. Je ne comprends vraiment rien. Ma fille, comment va ta mère? Qu'en est-il de ce dont on avait parlé? Ok. Es-tu déjà en chemin? Oh, c'est bien. Je t'attendrai. Merci. J'espère que ça va marcher. Oui, allô, maman. Tu as de la fièvre? Comment ça? Effectivement, je remarque que ta voix a changé. Tu as de la fièvre. Ta température a augmenté. Qui est à la maison avec toi? Où est passée Ruth? Elle est... Ok, tu sais quoi? Reste où tu es. Je viendrai te prendre pour t'emmener à l'hôpital. Bonsoir, monsieur. Merci, bonsoir. Monsieur, vous êtes en train de sortir? Oui, ma mère vient juste de m'appeler, elle est souffrante et il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Oh, désolé, puis-je vous accompagner? Ne t'en fais pas, ce n'est pas nécessaire. Vous en êtes sûr? Oui, bien sûr, rassure-toi juste que le travail aille bien. Ok. Je pense qu'il est déjà en chemin. Oui, bien sûr. Il est là-haut. Il est là. Je m'en vais à la cuisine. D'accord. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Pas de problème, t'en fais pas. Maman, je suis désolée. Maman. 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 Lève-toi, maman. Lève-toi. Dieu merci, tu es de retour. Mais où est passée Ruth? Ruth est à la cuisine. J'étais sur le point de sortir. Et tout d'un coup, tout est devenu sombre. Je me suis évanouie. Dieu merci que Alice...
est venue rapidement chez Chirot et elle m'a vue au sol. Maman, ce n'est rien. Ta santé est plus importante. Maman, qui est Alice? Alice est la fille de... Le repas est servi. Allons manger. Elle a dit que le repas était prêt. Mike, allons manger. Elle a dit que le repas était prêt. Ah, ah, dépêche-toi. Allez-y. Viens t'asseoir, le repas est servi. Ok. Écoute, maman, je dois retourner à l'hôpital immédiatement. Ah, ah, mais tu n'as pas fini de manger ton repas. Tu n'as presque pas touché ton repas. Je sais, mais j'ai énormément de travail qui m'attend au bureau. Ok, Mike. Est-ce que tu veux que Ruth et Alice t'accompagnent? Pas besoin de le faire. Mais je dirai à Tony comment tu te sens. Tu es sûr que tu dois vraiment partir? Je dois partir avec lui. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je la regardais de cette façon, comme si je la connaissais? Non, elle ne peut pas être Becky. Ça ne peut pas être possible. Et je ne tomberai pas dans ce piège que maman a comploté aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Bonsoir, monsieur. Est-ce que tout va bien, monsieur? Oui, tout va très bien. Ok, le directeur voudrait vous voir dans son bureau. Y a-t-il un souci? Je ne pense pas, monsieur. Ok, dis-lui que j'arrive. D'accord, monsieur. Maman. Tu es rentrée? Oui, je suis rentrée. Et là-bas, ils m'ont dit que tu as pris de l'argent dans son compte. Mais maman, en prenant le temps d'y penser, tu ne m'as pas dit grand-chose à propos de cette fille. Ah, c'est vrai. Je l'ai rencontrée au salon où j'ai l'habitude de me coiffer. Ok, cette coiffeuse dont tu as tant vanté les qualités. Mm-hmm. Et aussi cette même fille qui est diplômée. Mais personne ne sait grand-chose sur elle, excepté qu'elle a étudié les affaires à l'université, comme la défunte Becky. Mmh. Est-ce que c'est très important? Oh, tout ce qui m'importe est qu'elle aide ton frère à sortir de ce traumatisme émotionnel. Mmh. Ok. Maintenant que grand frère l'a déjà vu, c'est quoi le plan? Mmh. Ah! Mmh. Mais qu'est-ce qui m'arrive au juste? J'essaye de penser à Becky, mais l'image de cette fille ne cesse de défiler dans ma tête. Qui est-elle? Non. Non, elle ne peut pas me faire oublier ma Becky. Pas dans ce monde. Ce n'est pas possible. Qui est-ce? Entrez. Entrez, la porte est ouverte. Bonjour, frérot. Ah, c'est toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Mike. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Ok, assieds-toi. Merci. Tu ne m'as pourtant pas dit que tu venais me rendre visite. Je ne comprends pas. Est-ce un crime de venir te rendre visite? Dis-moi si je te dérange et je m'en vais immédiatement. Ah, c'est bon, ce n'est pas un crime.
Tu es tellement agitée. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu m'as gardé? Ah, je ne t'ai rien gardé. Ne me dis pas que tu n'as pas mangé. Bien, je n'ai pas encore mangé. Et pourtant, j'ai très faim. Mais il y a ce projet sur lequel mon entreprise voudrait que je travaille. Fais voir. C'est une proposition qui nous ramènera une grosse somme d'argent. C'est tout ça qui me stresse et me fait beaucoup réfléchir, tu vois. Eh bien, je te fais confiance. Je sais que tu pourras le faire, ok? Ok, laisse-moi aller à la douche. Ah, d'accord. Alors, vous pouvez faire comme chez vous, d'accord? Ok. Je reviens. Alice, je vais voir ce que je peux faire, ok? D'accord. Oh. Oh, c'est un échantillon. Ce n'est pas si difficile. Mais pourquoi est-ce qu'il stresse? Oh, il utilise le mauvais échantillon. Oh, cet échantillon n'est pas correct. Alors... Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis vraiment désolée. Il ne fallait pas toucher. Ceci est le travail de l'entreprise, tu sais. Donc tu ne dois pas toucher. Je suis vraiment désolée. Ce n'était pas mon intention. Ça va, c'est bon, c'est bon. Ceci est très important pour moi. Je suis désolée, je voulais juste t'aider. Oh, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai étudié l'économie à l'école. Oh, oui. Ok. Oui, c'est ça. Des entreprises m'avaient contacté pour du travail. C'est drôle, quand j'étais à l'école, ces entreprises me payaient pour monter des propositions d'affaires pour eux. Ah. Alors je connais beaucoup de choses quand il s'agit de propositions d'affaires. Oh, donc, je suis désolée d'avoir mis si long. Tu sais que c'est vraiment important pour moi. Merci. J'ai jeté un coup d'œil quand tu es allée au petit coin, car j'ai vu que tu ne t'en sortais pas. Je me suis dit que je devais t'aider. Et quand je l'ai fait, j'ai tout compris. Vraiment? Oui, bien sûr, je comprends très bien. Ce n'est pas si dur, tu sais. Ok, alors, voyons voir ça. D'accord, alors je m'assois où? Rapproche-toi. Ok, ce qui est dur ici sont, eh bien, les modèles. Il faut d'abord voir ça. Oh! Alors, si tu l'insérais ici, au lieu évidemment de le mettre ici. Ok, ouais. Juste comme ça. Oh! Wow! Alors, c'est ce que tu étais censé faire ici. Et voilà. Les gars, écoutez, j'ai pas envie d'un verre, les mecs. C'est bon, ça va. En y pensant, je me demande bien pourquoi est-ce que Mike est si heureux. Ça fait juste quelques mois que tu es en couple avec Alice et tu es aux anges. Tu peux nous dire ce qui se passe? Pourquoi devons-nous parler de moi? Est-ce que vous allez me laisser tranquille? Bon, je n'arrivais pas à le croire. Et c'est comme dans un film. Vous savez, et j'ignore comment ça s'est passé. Après ma relation avec Becky, je ne croyais pas que je pouvais encore aimer quelqu'un d'autre. Tu vois ta vie? Sérieux? Il croyait qu'on était ses pires ennemis quand on le suppliait de passer à autre chose. Mais ce mec n'est pas normal. Mais franchement, est-ce que vous m'en voulez? Dites-moi, est-ce que vous allez vraiment m'en vouloir? Écoutez, après que j'ai perdu Becky, mon monde s'est totalement effondré. Mais je remercie Dieu. Les gars, la vérité c'est que... malgré que je sois avec Alice, le truc c'est que Becky me manque toujours. J'aurais souhaité qu'elle revienne vers moi. J'aurais voulu qu'elle réapparaisse. Peu importe où elle se trouve. Ouais, c'est vrai ça. Je comprends parfaitement. Ouais. Je comprends, oui. Je comprends, Mike. Alors, Mike, quels sont tes projets avec cette fille? Ouais, quels sont tes plans? Alice, oui. Oui, avec Alice, oui. Mec, j'aime beaucoup Alice. Vous savez, je suis un homme qui accorde beaucoup d'importance à la famille. J'ai toujours voulu ce portrait de famille où je serai avec ma famille et mes enfants. Je veux juste devenir responsable, vous voyez, mais il y a toujours cette petite crainte en moi. Les gars, j'ai peur de lui faire ma demande. Pourquoi? Souvenez-vous que c'est juste après avoir fait ma demande à Becky qu'elle s'est perdue et par la suite morte, vous voyez. Je ne voudrais surtout pas que la même chose se répète avec Alice. Mike, écoute, tu dois supprimer ça de ta mémoire. Cela était déjà prévu. Ce n'était pas ta faute, mec. Mets-toi une bonne fois dans la tête que tu n'es pas maudit. Enlève ça de ta tête et fais-lui ta demande, mec. Tu dois le faire. Rien de mal ne lui arrivera. Fais-lui ta demande. Rien de mal ne va lui arriver, mec. Nous sommes, de ton côté, mec, tu devrais plutôt penser à comment préparer ton mariage et te trouver une belle veste, car
je serai ton témoin, mec. Oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dois être très beau ce jour, mec. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne lui as pas dit que c'est moi qui sera ton témoin? Ton témoin? Mais il ne sait pas ce qu'il dit, mec. J'ignore pourquoi vous vous disputez. Écoutez, témoin ou pas témoin, c'est l'argent d'abord. C'est celui qui dépensera le plus parmi vous deux. Mike, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu ce gars un jour habillé en veste? Un instant, c'est vrai. Ouh là là là, ouh là là là, ouh là là là, ouh là là là, hey, ouh, ah, ah, maman, hey. Tu suis le rythme? Ah ah. Ah ah, oh mon Dieu, maman. Tu es toute souriante ce matin. Un homme t'a fait la cour où tu as gagné le jackpot. Ah, maman, pourquoi veux-tu gâcher mon humeur? Hey. Pourquoi? Je t'ai dit de laisser cette relation pour ceux qui peuvent, je n'ai pas la force. Hey. Ah. C'est pour bientôt. Viens, est-ce que tu as encore le numéro de Rita et Bella? Ok, pourquoi est-ce que tu dois... Hey, qu'est-ce qu'il y a? Ton frère a finalement demandé à Alice un mariage. Je n'y crois pas. C'est vrai. Maman, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis un moment. J'étais avec Mike quand il faisait sa demande à Alice. Tu aurais dû m'appeler pour que j'assiste à ce merveilleux moment. Appelle Rita et Bella. Dis-leur de commencer les préparatifs du mariage. Maman, tu sais quoi? Mon téléphone est déchargé. Je vais les charger et je les appelle, ok? Hé, hey, les enfants d'aujourd'hui dont ton téléphone est déchargé, Ok, voilà ce que j'ai noté. Je me suis chargée de l'endroit où se tiendra la réception. Et aussi de la nourriture, de la boisson, sans oublier. Ta robe de mariage et toi, ta veste. J'espère qu'elle sera blanche. Bien sûr, je connais ta couleur préférée, alors je ferai en sorte qu'elle soit blanche. Ça, c'est bien. Dans ce cas, Alice et moi irons chercher les bagues. Ok, dans ce cas, je l'enlève de ma liste. Je suis contente pour vous. Vous allez vous marier. Rajoute aussi les gonflés. Ok. J'ai déjà contacté Bella. Elle est seule pour apprendre jusqu'à mes invités, tu vois. Oui. Est-ce que c'est un match de football? Grand frère, c'est ton mariage. Et absolument, tout le monde en parle et en mille. Non, c'est trop. Mille? Mais c'est trop. Est-ce que tu sais qui est mon frère? Ok, pardon. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je vais regarder. Attends. Mais mille personnes, c'est trop. Je vais tout organiser. Vous allez me remercier plus tard. Ah bon? Écoutez-moi, le débat est clos. Mais le débat est clos. Mais trop de personnes. Que s'est-il passé? Aussi, moi et ma femme ici présents, au nom de ma femme et de moi-même, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour tout. Merci énormément d'avoir pris soin d'elle. Je ne sais pas comment vous remercier. Ce n'est rien, Monsieur Johan. Je vous en prie. Assurez-vous de ne rien faire. Vous savez qui pourrait la faire stresser, qui pourrait affecter son cerveau. Parce que cela pourrait causer des dommages à son cerveau. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour l'empêcher de prendre un bain seul dans une piscine. Cela n'arrivera pas. Je ferai comme vous l'avez dit. Docteur, je peux vous assurer que je suivrai vos instructions. Je vous le promets que je vais veiller à ça de manière très très rigoureuse. Je vous le promets. Alors, chérie, voici le docteur Tony. C'est le docteur qui t'a sauvé la vie. Merci, docteur. Mais je ne me souviens plus de qui j'étais avant. Ni... Chérie... Mon mari. S'il te plaît, tu n'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Crois-moi. Je suis ton mari et mon nom c'est Jonah. Et tu es Anita, ma ravissante femme. Oui, chérie. Ok. On ira faire les boutiques ensemble. Oui, elle peut rentrer maintenant. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci. Alors, comment te sens-tu?
Je vais bien. Juste quelques maux de tête. Parfois, je ressens, je vois ces images qui défilent dans ma tête, comme si c'était juste dans ma tête et dans mon imagination. Vraiment? À quoi ressemblent ces images, si je peux me le permettre? Des fois, je me vois et ce jeune homme en train de manger dans un restaurant et je le vois également en train de vivre dans une maison. Oui, quelque chose comme ça. Oui, vraiment. Ça. Ok, n'essaye plus. Tu sais quoi? N'essaye plus de te souvenir de quoi que ce soit. Souviens-toi que le docteur t'a dit de ne pas réfléchir. Arrête de réfléchir. Tu te fais vraiment du mal à toi-même. S'il te plaît. Ok, merci. Et en ce qui concerne les images que tu prétends avoir vues, oublie vraiment tout ça. Est-ce que tu entends? Deux fois, tu te souviens des choses qui n'ont jamais existé. Et tu le penses vraiment? Oui, je le pense vraiment. Oui. Peu importe, as-tu déjà mangé quelque chose? Oui, oui. T'es sûre? Oui, tout va bien. Je vais bien. Merci, okay. Merci beaucoup. De toute façon, je vais préparer quelque chose à la cuisine. D'accord? D'accord. Merci. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, sœur Ed? Pourquoi fais-tu cette tête? Je suis très pris par mon téléphone. Ok. Bon, je laisse tomber. Alors, en passant. Oui. Ouais, Becky. Elle dort dans la chambre. Elle dort? Oui. Tu es sûre? J'en suis sûre. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je pense qu'elle commence à se souvenir de qui elle était. Quoi? Chut. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, parce que quand je lui ai parlé tout à l'heure, elle m'a dit d'avoir des visions d'elle et d'un homme dans un autre lieu, un endroit différent. Et je pense qu'elle est mariée. Quoi? Je suis sérieuse. Mariée? Chut. J'espère que tu ne lui as rien dit. J'espère que tu n'as surtout pas commis la bêtise de lui raconter. Je ne lui ai rien dit. Elle commence à se rappeler de tout. Et si elle venait à se souvenir de tout? Oh mon Dieu. Pendant combien de temps je vais continuer ainsi? Pendant combien de temps je vais vivre dans cette souffrance? Mais... si papa avait accepté ma relation avec Alice, elle ne serait pas morte dans cet accident. Frère. Je ne serais pas ici à faire semblant d'être le mari d'une autre femme. Une femme que je ne connais même pas. Désolée. Ah. Mais c'est la vérité. Mes frères. Et si elle parvenait à se souvenir absolument de tout? Mon Dieu. Nous n'avons pas vu son corps. Oui, nous n'avons pas vu son corps. Ouais. Nous n'avons pas vu son corps. Je pense qu'elle vient. Bonsoir, bébé. Alors, comment tu vas? T'es réveillé? Oh, tu devrais t'asseoir, bébé. Oui, j'étais en train de dormir. J'espère que tu n'as pas mal. Ok. Vas-y, assieds-toi. Faudrait pas que tu restes longtemps debout, ok? Oui, j'en veux bien. C'est très bien. Tu es tellement belle aujourd'hui. Je vais bien. Cela me rappelle que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de ce collègue sur lequel tu flashais. Est-ce une moquerie? Non, pas du tout. Ce n'est pas une moquerie, c'est juste une question. C'est mieux. Bien. Aux dernières nouvelles, Mike se marie dans 2 semaines. Attends, est-ce une blague? Non. Tu viens de dire, dans 2 semaines? Oui. Mike va se marier? Tu vas bien? Tu es sûr? Oui, ça va. Ok, désolé, vas-y doucement. Donc, tu veux dire que ton patron va se marier dans 2 semaines? Oui. Donc, il a surmonté son traumatisme?
Oui, c'est le cas. Wow. Alors, quand Jonah et Stella sont sortis de la maison pour aller voir un oncle, j'ai fui. Attends. Est-ce que tu viens de dire Jonah et Stella? Grand frère, est-ce que tu penses à ce que je pense? Tu parles de ma collègue? Exactement. Oh. Oui, oui. Et je suis sûre qu'elles ne savent pas que tu as retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Mon pote Mike. C'est lui, le docteur qui m'a sauvé la vie. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Tony, toi! Oh, tu sais à quel point j'étais dévasté. À cause de cette histoire, mais tu as vu le tout bête, tu me le cacher. Mike, hey, calme-toi, s'il te plaît. Détends-toi, Mike. Non, allez, c'est toi. Calme-toi. Allez, dites-moi, que se passe-t-il ici? Dieu merci. Je viens juste de sauver quelqu'une et j'aimerais que vous la preniez en charge immédiatement. Oh, calmez-vous. Où est la patiente? Elle est dans la salle d'urgence. Très bien, pas de problème. Je vais. Docteur, pouvez juste la prendre en charge. Permettez au docteur de faire son travail. Ok, merde! S'il vous plaît, faites votre travail! Écoutez, allons le jugeant, ça. D'accord, docteur. Alors, docteur, dites-moi comment va-t-elle? Monsieur Jonah, bien. Oui. Son état est maintenant stable, mais il y a quelques petites complications, oui. Des complications? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, écoutez, elle souffre d'un traumatisme crânien. Et c'est dû à... Traumatisme est dû au manque d'oxygène dans les tissus de son cerveau. Alors elle pourrait souffrir de quelques pertes de mémoire. Ce qui veut dire qu'elle aura des difficultés à se souvenir de qui elle est. Un manque d'oxygène? Oui. Dans les tissus de son cerveau? Oui. Ok, s'il vous plaît, docteur, dites-moi. Est-ce que ce sera permanent? Ah! Pendant combien de temps? Est-ce que ça va durer? Bien, monsieur Jonah, je ne peux pas vous le dire maintenant, mais vous savez, même les docteurs croient aussi au miracle. Un miracle peut se produire, alors croisons simplement les doigts. Oui. Je pense que tout a été dit maintenant. Mais mec, et t'as bien fait, mec. J'étais sur le point de t'appeler, Dieu merci, t'es là. Où est-elle? Je te demande où elle est, je l'ai cherchée. Elle est introuvable dans toute la maison. Attends, mon Dieu. Où est passée, Becky? Mon Dieu, s'il te plaît, calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Ok, je suis calme. Où est-elle? Ok, je pense à savoir où elle se trouve. Alors, dis-moi si tu le sais, où est-elle? Ok, oui, elle est avec Mike. Souviens-toi, quel est son amour perdu? Non, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Tu m'avais bien dit que la soi-disante femme de Mike était morte. Souviens-toi bien, tu me l'avais dit. Oui. Je l'ai fait. Mais, oh mon Dieu, souviens-toi, Mike est de retour. Ce même Mike dont elle se rappelait justement, celui pour qui tu t'es fait passer, t'en souviens-tu? Pas du tout, ça ne peut pas être vrai, non, jamais. Regarde-moi dans les yeux! Écoute, et si elle n'avait pas retrouvé la mémoire, et si c'était juste une illusion dans sa tête? Calme-toi. Elle doit revenir, tu comprends? Calme-toi. Elle doit revenir, merde! Mais disons que... Ok, et si ce que tu disais était vrai, qu'est-ce que tu gagnerais si elle revient? Regarde-moi faire. Frère, ne sois pas stupide, pardon. Je refuse que Becky et Alice soient ensemble en parlant de ça.
Je veux que tu me répondes sincèrement. Quels sont tes plans pour les deux? Oh, mon fils, tu sais très bien que tu ne peux pas épouser toutes les deux. Qui est-ce? J'arrive. Officier, arrêtez-le! Vous êtes en état. Voilà celui qui a kidnappé mon épouse! Ça signifie qu'est-ce qui se passe ici? Mais ce qui se passe à quoi? Non, écoute-moi, je ne t'ai pas kidnappé! Je n'ai rien fait! Attends. Joe? Alice? Tu le connais? Officier, arrêtez-le! Jonah! Non. Voilà ma femme. Je le redis bien, ça, c'est ma femme. Arrêtez. Lâchez-le. Lâchez-le. Alors, ce malheureux jour, j'ai quitté la maison de mon oncle. Car je voulais oublier ce traumatisme. D'oublier cette douleur. Alors, j'ai décidé d'aller à la plage pour être seul avec la nature et passer du temps. Quand soudainement, j'ai entendu deux garçons crier et soudainement, à l'aide, je me suis dirigé vers eux. À l'aide. Et bien sûr, je les ai aidés. À l'aide. Et je suis devenu leur héros. En tant que bon samaritain, je l'ai amené à l'hôpital. J'aimerais que tu soutiennes ma cause. Ne t'en fais pas. Ce secret doit rester juste entre toi et moi. Un secret? Oui. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà la vraie histoire. Alice, je ne savais pas que tu avais enduré tout cela. Crois-moi, je n'avais aucune idée. Je sais maintenant comment m'y prendre. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Pardonne-moi. Je t'aime toujours. Alice, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se remettre ensemble? S'il te plaît. Je pourrais dire que... après tous ces enchaînements d'événements, nous sommes tous faibles face à l'amour. Remercions les dieux parce que tout a été arrangé. Alors j'imagine que je suis toujours la seule qui reste célibataire. Pas du tout, ma fille. Pour toi et en chemin, je suis très sûre de ça. Mon Dieu le fera. Sois patiente. Merci, Seigneur. I wanna love you till I die. Cause with you I find delight. You brought that joy into my life. That is why I can't control my spine. Yeah, I've got so many distractions. Now my friends are falling for you. She's a cook you we love. Even a fool can testify. I appreciate her kind of love. Myself, I will testify. Yeah, myself, I will testify. I will testify. When your child, I will testify. Need you by my side so that I can sleep well. I need you by my side so that I can sleep well. I need you by my side so that I can eat well. I need you by my side so my business can grow. Why do you have to go? Why do you have to leave? When am I seeing you again? Cause the cards be lost. Can't be lost. Can't be lost.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. One more time, I need you by my side so that I can sleep well. One more time, I need you by my side so that I can eat well. One more time, I need you by my side so my business can grow. One more time.